Salut tout le monde, c'est Napsi, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur Subnautica. Voilà, bon bah c'est la suite des deux derniers épisodes. Le dernier épisode il va se faire juste ici, voilà. Et puis c'est bon, on commence, c'est parti. Et puis bon bah voilà, on est sur Subnautica. Et c'est bon, maintenant on va commencer à jouer, on va vite rejouer. Et bref, bah c'est celui-là. Du coup let's go, on va cliquer dessus et c'est parti. Ah oui, j'ai joué 2h et 36 minutes en tout, au mode survie, ouais ouais. Ça fait long là. Ça fait beaucoup là, non? Ouais quoi? Ok. Est-ce qu'on a encore du chocolat? Ok. Il n'y a plus de chocolat. Ouais bref voilà, j'ai fini de manger mon chocolat. C'était long mais bon hein, voilà, il y a eu fin à toute chose, à toute bonne chose même. Bref, on s'était arrêté où? J'avais construit combien des heures anti-radiation, je sais pas si je l'ai fait dans la vidéo. Nope. Je pense que non. En fait, j'ai juste récolté un matériau et c'est bon en fait. Après j'ai pas plus joué que ça parce que voilà quoi. Combinaison anti-radiation et casque anti-radiation. D'accord, bref. Donc maintenant, dans le fabricateur, j'en sais plus où on était. Donc dans le déployable, il y a que l'armoire imperméable, outils, couteau de survie, équipement, le réservoir d'oxygène du Jump Max, extincteur agent de jump, tuyau et pompe à air flottant. Par contre, ça, je sais pas trop, c'est ça à quoi. Enfin, si, je pense que je sais ça à quoi, justement. Attendez, regardez. Wow, mais c'est tellement stylé. Wow, la vue magnifique, quoi. Ouais, le pompe à air flottant, c'est ça. Le pompe à air flottante, on le met là, et en fait, bah tu places des tubes en fait. Des tubes qui vont jusqu'au nombre que t'as mis, en gros ça peut aller jusqu'au fond de l'océan. Et bref, en fait, comme ça, tu t'approches, et en fait, tu récupères de l'air. Ouais, grâce aux pompes à air flottante. Voilà, ouais. Bref, maintenant je vous ai expliqué ça servait à quoi. Maintenant ce qu'on va faire, c'est continuer, on s'était arrêté. Oh non, pas ça. Mais ça fait flipper ce truc. Un peu péter ce truc. Ah ouais, mais c'est stylé. Ah bah d'accord. Allez, on va ramasser un peu de pochons, vas-y, pour bah boire en fait. Parce que je manque beaucoup d'eau en fait. Allez, let's go. C'est bon, j'en ai récolté suffisamment, je pense. Je suis récolté suffisamment, hein, clairement. C'est le cas de le dire. Maintenant, on va ici, là, vite fait, aliments, ouais, aliments, eau, et eau filtrée, pochons. Let's go. Mais ça construit vite. C'est cool ça. On va aussi fabriquer du pochon cuit. Non, plutôt du piper cuit. Puisque le pochon, ça peut plutôt servir aussi à l'eau. C'est cool ça. Bref, voilà. Du coup, on va manger ça, consommer le piper. Bah, l'eau filtrée aussi, on va la consommer. Et on va en mettre un peu ici. En cas d'extrême survie. Bref, échantillon de corail plat. Contient des traces de métaux précieux utilisés dans la fabrication. Ah oui, je sais pas trop ce que c'est. Pas trop à quoi ça sert. Ah. D'ailleurs, j'ai aussi ça. J'ai un échantillon de corail cerveau. Mais sauf que ça sert à quoi? Ça sert à quoi l'échantillon de corail cerveau? Ouais bref, pour le moment je pense que je vais le jeter dehors. Je sais pas trop à quoi ça sert hein. Voilà, on va le jeter sur ce rocher. Sur ce rocher rempli de bonheur hein, bien sûr. Tous les trucs dont je sais pas ça sert à quoi, on va les déposer ici parce que ça sert à rien que je le garde en fait. On va être franc. Des palmes, j'en ai en double. Du coup je pense que je sais pas trop pourquoi je les ai en double. Mais en tout cas voilà quoi, c'est ça qui est ça. Oh, il y a encore un pochon. Le pochon je les prends hein. Parce que les pochons ça me sert soit pour l'eau, soit pour me bouffer. Du coup c'est cool quoi les pochons. Après j'ai aussi ça, cette fameuse chose qui me sert à aller en haut en fait, aller en haut de l'eau. Wow, c'est qui lui? Pourquoi tu veux m'attaquer? Vas-y dégage. Ah d'ailleurs j'aimerais bien le buter. Viens ici que je te bute. Viens ici. Allez on va essayer de buter. Challenge accepté. Wow, c'est quoi ça? Débris métallique. D'accord, j'ai trouvé un débris métallique mais par contre il est passé. Ah il est toujours là-bas. Ok heureusement. Vas-y meurs, j'ai envie de voir ce que tu me donnes si tu meurs. Est-ce qu'on peut le tuer en moi en fait? C'est ça le vecteur de question. Oh non, on va prendre là il nous fait mal, on peut pas se mentir. Mais refaire, j'ai vraiment envie de le tuer. Il est mort. Ah oui il est mort. Par contre je sais pas ce que je peux lui en faire. Je pense que va être juste mort en fait, il donnerait. Allez, on va virer des petites merguez avec ce rôdeur. Allez, on le coupe bien tranquille pour le servir ensuite au client. Oui, parce que j'ai un stand là-bas en fait. Je sais pas si vous le saviez, mais en fait, on peut faire des stands. Non, je rigole. Ça serait trop beau pour une vraie en fait. Bref, en fait, lui, il m'a servi à rien. Ce réservoir, il est tellement bien. On peut rester 2000 ans sous l'eau en fait, carrément. Ah oui, attendez, on va aller là-bas vu que en fait maintenant j'ai plus de trucs. J'ai une combinaison anti-radiation. Du coup, on va aller un peu voir ce qu'il y a vers là-bas. J'ai aussi un scanner. Le scanner en fait, il scanne tous les trucs que je connais pas. Par exemple, j'aimerais bien scanner un truc genre ça, ce poisson chelou là qui balance des trucs toxiques.
Oui. Ah ok, c'est un gazopode. Forme de vie indigène, gazopode. D'accord. Bah c'est un gazopode du coup. Oh non. Il m'a mis sa toxicité sur moi. C'est pas gentil ça. Enfin, allez, on va voir ce qu'il y a ici et là quelque part. Oh non. Oh, mais je peux pas le casser. Bah alors je vais le casser avec le couteau. Ok, ça je peux vraiment pas le casser. D'accord. Oh attendez, je peux le scanner. Je me demande si ça sert vraiment à quelque chose. Mais bon. Nid de souffle. D'accord. Forme de vie indigène. Non, je peux vraiment pas le casser. Bref, ok. Si on peut pas le casser, bah laisse tomber. Mais bon, d'accord. Je sais pas trop c'est quoi. Je vais essayer un truc. Donc, si j'appuie sur F, ça fait un autoscan. Ah, ça examine les signes vitaux et tout. D'accord. Bah, signes vitaux normaux. On peut pas scanner ça. Oh, on peut scanner ça. Est-ce qu'on pourra le construire après? Paillasse. D'accord. Par contre, ça sert à quoi la paillasse? Je me le demande bien. Est-ce que ça serait pas par hasard un paillasson? Ok, je sors. Ouais, non, on peut pas copier ça. D'accord. On va remonter. Allez, on va un peu plus s'approcher du vaisseau pour voir ce qu'il y a. Parce que c'est cool. Oh, mais il y a plein de débris métalliques. D'où ils viennent? C'est à cause du rôdeur? C'est le rôdeur qui le déplace ici ou... Ouais, ou... Je comprends vraiment pas. Non, c'est super ça. Il y a plein de débris métalliques ici. Allez, bref, je pense que je vais poser un ça. Comme ça, en fait, je pourrais voir où c'est. Enfin, je pense. Let's go. On revient à la maison. Au pire, je vous informe quand il y a quelque chose d'important qui va se produire. J'ai déposé tous les trucs là, comme vous pouvez le voir là-bas, dans des armoires imperméables. Oh, il y a plein de débris métalliques hein, ici. Oh, mais alors, toi, dégage d'ici. Dégage d'ici. Je veux plus te voir. On va prendre ça et nous-mêmes on va dégager. Mec, arrête de vouloir me croquer. On pourra pas me bouffer de toute façon. Bref, on va prendre ça. C'est quoi? Ah oui, des pots de sel. J'en ai jamais eu jusqu'à maintenant. Allez, on va prendre ça. Déjà que je l'ai trouvé quasiment jamais. Oh, c'est quoi ça? Capsule spatio-temporelle. Ah non, capsule temporelle. D'accord. Parce que capsule spatio-temporelle, j'ai pas très bien compris. Hein. Explorer, aventure et castaway. Ah, c'est un truc lumineux. D'accord, j'ai trouvé un truc lumineux. Qui émet de la lumière. Je pense pas que je vais beaucoup l'utiliser hein, parce qu'il consomme de l'énergie. Pas très bon pour lui. Allez, on va re-aller là. Et ce truc, on va l'utiliser vraiment quand il fait nuit. Genre de bail comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais qu'il y a un drame qui va se produire. C'est quoi cette musique? Oh, y a encore un débris métallique. Il y a plein de débris métalliques hein, maintenant. Avant, c'était super rare et tout. Maintenant, non, pas du tout. Enfin, pas trop du moins. Est-ce qu'il me reste de l'espace? Ouais, ça va, il m'en reste. Ça, c'est un fragment de simote. Oh, attendez, est-ce que je peux genre le scanner? Oui, mais je peux le scanner. Ouais. Oh, c'est un simote. Oh non, tu vas me dire que maintenant je peux fabriquer un simote? Soit je sais pas, je dois trouver tous les fragments peut-être. Ah, il me reste un troisième. Il est le troisième fragment. Vite. Un débris métallique. C'est bon, ça on va prendre. Wow, c'est quoi ça? What? Wesh, c'était quoi ce truc? Non, pour de vrai, c'était quoi? Et je sais pas c'est quoi, hein. Pourtant je le vois plein. On dirait un screamer carrément qui est apparu d'une part. Voilà, ce truc il sert à ça, à se sauver en fait. Bref, on va descendre vite fait là et vite trouver le troisième fragment là du simote. En plus, le simote doit être tellement bien. Genre, t'as de l'oxygène à l'infini. Bon, il a de la vie, on va pas en abuser. Et ça, c'est quoi? Oh, salle de scanner. Waouh. Ce que je trouve là, salle de scanner schéma. D'accord, j'en ai trouvé un sur trois. En gros, je pense que pour chaque salle ou des trucs comme ça là, il faut. Dispositif de confinement des déchets nucléaires. What? Tu veux me dire qu'on va trouver des déchets nucléaires et tout là? D'accord, j'ai trouvé un dispositif de confinement des déchets nucléaires. Super. C'est très rassurant tout ça. Très très rassurant. Wesh. Ah, c'est ça là. C'est ça le truc qui voulait me buter là avant. Wesh, il a quoi lui? Bon, je vais le scanner aussi. C'est un gros danger et tout là. Et le gars il le scanne. C'est un suicide limite. Mais wesh, j'ai flippé là, bouger partout. Wesh, il a abusé ce gars. What? C'est quoi ce truc? C'est trop beau. Est-ce que ça me bute? Ah non, c'est bon, ça me bute pas. Attendez, on va aller là-dessus. Ça, c'est son corps. Mais comment elle fait pour respirer cette créature? C'est vraiment une île qui se déplace en fait, ça. Oh, Riftback. Je peux scanner? Je peux scanner ce gros truc là. Forme de vie indigène, Riftback. Ah, c'est quoi? Et cette imposante forme de vie dépasse les 30 mètres de long et appartient à la classe Léviathan. Heureusement, elle se nourrit exclusivement de formes de vie planctoniques dans l'eau. D'accord, en gros, sinon, pas de moi. Heureusement. Parce que sinon, on serait pas sorti de l'auberge. Ah, le corps et le cerveau, je peux pas le scanner? Ah, si, je peux. Forme de vie indigène, d'accord. 1 hour later. What? Papyrus roulé. Mais j'ai envie de tout scanner, wesh. Je pense que le titre de la vidéo, ça sera je scanne tous les objets que je trouve. Ouais, bah, vas-y, on va faire ça. On va scanner plein de trucs, en fait. Ce sera ça le but de cette vidéo. Je trouvais pas de but, bah finalement je pense que je l'ai trouvé. Hein. On va découvrir plein de trucs les gars. Oh, ça c'est quoi? Bioréacteur. C'est quoi un bioréacteur? Je sais pas trop ce que c'est, mais waouh. Ça promet du lourd en tout cas, ça promet du lourd.
Wow. Oh, ça c'est encore des débris métalliques. D'accord, dépôt de sol, vas-y. Fragment de sol de scanner. Ah oui, j'ai déjà un fragment hein, si je me trompe pas. Oh, j'ai scanné, il a disparu. Ça aussi, on va prendre. Ouais, vas-y, on va re-aller en haut parce que sinon on va crever. J'ai pas envie de crever. Non, j'ai pas envie. Non, non, non. J'ai vraiment un problème avec la respiration, moi. J'ai perdu beaucoup de trucs en fait. Est-ce que j'ai au moins quoi? Ah bah oui, je peux rien fabriquer vu que tout est dans des armoires imperméables. Est-ce que j'ai toujours les schémas là? Non, mais s'il te plaît. Oh mais non, j'ai même perdu ça. Ah non. Ah non, j'ai pas perdu. Ah non. Bah tant mieux. Ah tant mieux en fait. Et du coup, j'ai pas perdu les trucs que j'ai scannés. Ça c'est cool. D'accord, le bioréacteur et tout là, je les ai pas perdus. Bref, on va retourner là-bas. Allez. Bah du coup, même si on meurt, c'est pas trop grave. Bon, après, j'ai perdu les dépôts de sel et tout, mais... C'est pas ultra grave. Ah oui, d'accord. Mais ça m'a vraiment fait peur. Genre, c'est j'ai cru que ça, c'était la tête et tout, là. Mec, il m'a fait flipper. Ça, c'est ses tentacules. Bon, d'abord, ça me dégoûte d'un côté. De l'autre côté, c'est cool, vu que c'est un peu mon ami. Ah, attendez. Est-ce que je pourrais scanner ça? Non, ça scanne pas, ça. Ça fait partie de son corps, voyons, même si. Vas-y, je vais te scanner, toi. Oh, forme de vie indigène. D'accord. Bah, on le prend. Il est trop stylé. En gros, en fait, quand on dépasse les 100 mètres de profondeur, ça nous gaspille plus d'oxygène. Plus rapidement si je me trompe pas. Et du coup je dois faire gaffe. Je pense à 30 d'oxygène là je dois remonter. Je vais remonter. D'accord on y revient. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est des débris métalliques ça. D'accord, je vais faire un autoscan. Il me dit de faire un autoscan parce qu'il y a plus de bactéries dans l'eau. J'ai un peu de bactéries sur moi là, un peu de bactéries étrangères. Tout ce qu'il y avait là, je les ai récupérés. Mais en fait, j'ai remarqué que c'est peut-être les dépôts de sel et les débris métalliques que j'avais récupérés dans l'autre truc. Et en fait, ce qui est chelou, c'est qu'il y a une lame thermique. Cuit et stérilise les petits organismes pour une consommation immédiate. Mais du coup, ça veut dire que je le remplace par le couteau normal. En gros, elle brûle dans l'eau. Si je fais clic droit normalement, ça devrait faire un truc. D'accord, il est mort. Ah oui, il est cuit direct. C'est trop bien, les gars. Un couteau qui cuit les poissons directement dans l'eau. Mais c'est super, ça. Mais où on a trouvé une invention comme ça? What? Attendez, il est là. Ah, c'est ça qui me tire dessus. Bande de bâtards. Quoi, ça, en fait? D'accord, forme de vie indigène. Plantique. Est-ce que je peux les buter, là? Parce qu'ils vont saouler, là. Ah oui, ok. Au moins, je peux les buter. D'accord, ils sont morts. Non, 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 s'il te plaît, pas envie. J'ai toujours le couteau. Mais c'est trop beau ce qui vient de se passer. J'ai toujours le couteau parce que je l'avais mis dans l'emplacement rapide, mais l'autre couteau, j'ai plus. Ah si, je l'ai toujours. Ah, les autres trucs que j'avais ramassés, je les ai plus. Oh, c'est pas trop grave. Enfin, si, un peu, parce que ça fait quand même la deuxième fois. Au moins, j'ai trouvé un couteau de malade. Ouais bref ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortent. Et puis sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, ciao tout le monde et peace.